Bonjour à tous, la plupart d'entre vous me connaissent, je suis Thomas, le président de la Corpo Médecine et l'UFR. La Corpo Médecine travaille avec l'AEPG et l'AELSG au niveau local du domaine de la Mercy et l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Les 23 et 30 mars sont des dates capitales. Pourquoi ? Parce que ces jours-là vont avoir lieu les élections des conseils centraux, à savoir le conseil d'administration, le CA, et le conseil étudiants de la vie universitaire, le CVU, et des CROUS. C'est lors de ces deux jours que vous allez élire vos élus étudiants qui vont défendre et soutenir les problématiques de vos assos, de votre UFR, au niveau des conseils d'université. C'est lors de ces conseils que nos élus peuvent peser dans la balance. Ils vont typiquement pouvoir appuyer les demandes de subventions pour le soutien de projet, l'attribution de crédits pour, par exemple, le maintien du niveau des tutorats de P1 grenoblois, ou bien encore permettre de garder ouvert des rues en perdition telles que celui de la Chantourne. Pour une représentation associative, pour une représentation politiquement indépendante, pour vos assos, pour votre qualité de vie étudiante, rendez-vous les 23 et 30 mars pour voter interasso et voter en masse.